et bienvenue sur Canal 20. Ce numéro 18 est bordelais, un très bon cru. Alors ici à Bordeaux, Citroën est représenté par deux succursales et trois établissements. La filiale Citroën Sud-Ouest est dirigée par Marc Guedin. Citroën Sud-Ouest est la filiale bordelaise du constructeur. Elle est répartie sur trois sites qui comportent deux succursales avec deux exploitations séparées. Nous employons 240 personnes sur l'ensemble des sites. Au point de vue pièces de rechange, nous faisons un chiffre d'affaires de 45 millions de francs. Spécificité, nous avons trois vendeurs itinérants, dont deux s'occupent des professionnels et l'un s'occupe des sociétés. Au point de vue atelier, nous avons bien sûr trois ateliers qui emploient 94 personnes et nous vendons environ 135 000 heures par an. C'est à Bordeaux que nous attaquons la promotion nationale Parée pour l'hiver. Autre opération d'envergure, le mailing du service pièces de rechange. Il concerne 500 000 clients d'AXBX, c'est le plus important du genre. Jean-Claude Dumas viendra ensuite nous expliquer le fonctionnement du système d'injection et d'allumage propre à l'AXM. Enfin, je vous présenterai la console centrale vide poche pour les perfectionnistes et possesseurs de la Citroën XM Séduction. Avec les premiers frimas, nous entrons dans la saison des rhumes et des grippes. Les voitures, elles aussi, sont sensibles. Alors pour éviter que les moteurs toussent, eh bien Citroën lance une campagne nationale de vaccination, Parée pour l'hiver. Du 3 novembre au 15 décembre, vous pouvez prescrire aux clients une ordonnance en 14 points. Parée pour l'hiver, qui se déroule du 3 novembre au 15 décembre, a pour but de permettre à notre clientèle de passer cette période en toute tranquillité d'une part. D'autre part, elle doit nous permettre de mieux faire connaître la qualité de notre service après-vente à travers la compétence des hommes qui la composent et les moyens techniques dont nous disposons pour assurer les réglages et les contrôles. Nous proposons 14 contrôles ou traitements spécifiques, tels que les contrôles du circuit de charge, de la batterie, de l'allumage, les niveaux d'huile moteur, les courroies d'entraînement, les motoventilateurs, l'éclairage, l'antigel et le graissage, par exemple, des serrures de porte ou des charnières. Nous proposons cette opération aux clients Citroën ayant des véhicules particuliers essence ou diesel de moins de 5 ans d'âge, ainsi qu'aux clients hors Citroën ayant des véhicules essence âgés de plus de 2 ans et de moins de 5 ans. Pour faire connaître cette opération, nous utilisons des affiches, des annonces dans la presse locale, ainsi qu'un mailing de fidélisation. Nous allons proposer des prix particulièrement attractifs qui seront de 225 francs TTC pour les véhicules essence et 275 francs TTC pour les véhicules diesel. Bien entendu, chaque contrôle fait l'objet d'une fiche diagnostique qui est commentée au client afin de pouvoir prévoir des réparations. Ces réparations sont proposées en faisant bénéficier ce client de prix particulièrement intéressants au niveau de certaines pièces de rechange telles que les batteries, les lampes, l'antigel, les balais d'essuie-glace, le liquide de lave-glace. Préparez-vous dès maintenant à vos actions d'information, la presse, les mailings, la publicité sur le lieu de vente, car elles débuteront dès l'annonce des premiers froids. Le service pièces de rechange est sur le point de lancer sa plus grande opération de mailing. Elle a pour cible plus de 500 000 clients d'AXBX. Parmi les propositions attractives, le forfait échappement, le prix réduit sur kit AXBX et sur BKAX, et une offre spéciale sur Autoradio. Les PR sont avant tout concernés, mais 500 000 clients Citroën dans nos points de vente, l'ensemble des services sont concernés, la pré-vente, les VN, les VO. Chaque client potentiel a également droit à un cadeau, une calculette. L'objectif principal est de ramener le client à la concession et de le fidéliser. Le succès de cette opération, c'est avant tout une bonne information de l'ensemble du personnel de tous les services. Pièces de rechange, VN, VO et après-vente. C'est aussi un libre-service vivant et accueillant. Le dossier du mois, c'est le MMBA. Alors là, je laisse le soin à Jean-Claude Dumas de vous révéler tous ses secrets. Eh bien Sandrine, vous allez voir, c'est très simple. Enfin, je vais essayer en tout cas d'être clair. Je vais en effet vous parler aujourd'hui du nouveau système d'injection et d'allumage MMBA, c'est-à-dire Magneti Marelli Branche Automobile, équipant les Citroën XM 4 cylindres modèle 91. Le système d'injection adopté ressemble au système monté sur les V6. Il reprend les mesures de pression et de vitesse. Les temps d'ouverture des injecteurs, c'est-à-dire la quantité d'essence injectée, est déterminé par le calculateur. Cela en fonction des informations qui lui sont fournies par les différents capteurs.
En vitesse stabilisée, la quantité d'essence injectée dépend de la mesure de la pression et de la température de l'air et de la vitesse de rotation du moteur. Des corrections annexes peuvent être imposées par le calculateur en fonction de la température d'eau du moteur, de la pression atmosphérique ou encore de la tension de la batterie. Les circuits de carburant et d'air sont classiques pour un tel système d'injection. En revanche, l'allumage, lui, est original. En effet, sur ce modèle, on a généralisé l'allumage statique. La bobine d'allumage, vous le voyez, est montée en lieu et place de l'allumeur en bout d'arbre à cames. Grâce à ce montage, donc, on supprime les pièces en mouvement et donc les risques d'usure. J'ajouterai que l'allumage statique permet l'espacement des réglages. Mais nous allons tout de même examiner quelques possibilités de réglage. Il existait auparavant un appareil, le 4097T, qui lisait directement les codes défauts dans la mémoire des calculateurs. Aujourd'hui, nous avons un autre appareil, dérivé de celui-ci d'ailleurs, le 4120T, qui en plus permet de régler l'antipollution et l'avance à l'allumage. Voilà, alors nous allons faire une opération de réglage de CO sur cette voiture. Cette opération se fait évidemment moteur chaud, vitesse de rotation du moteur 850 tours minute. Nous allons brancher l'appareil 4120T sur la prise du calculateur et nous allons sélectionner en appuyant sur le bouton bleu la fonction F3 qui va déclencher la procédure de réglage. Voilà, il ne nous reste plus qu'à attendre la réponse de l'appareil. Voilà, nous avons la réponse de l'appareil qui nous dit que le CO est trop faible puisqu'il doit être compris entre 0,8 et 1,2. Nous allons donc l'augmenter en appuyant simplement sur la touche plus, qui est la touche verte, et l'appareil va nous afficher en réponse le code 11. Et à contrario, si on veut diminuer le CO, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche moins, qui est la touche rouge. Si vous voyez apparaître sur l'afficheur le code 99, cela signifie que vous êtes en butée de réglage, soit en plus, soit en moins. Voilà, notre réglage est presque terminé. Il ne nous reste qu'une seule et importante opération, qui est de valider ce réglage en appuyant sur la touche blanche de l'appareil, ce qui va avoir pour effet d'introduire en mémoire dans le calculateur le réglage. Voilà, Sandrine, j'espère que le système MMBA n'a plus de secret pour vous. Ça n'a plus de secret pour moi, Jean-Claude. Toujours plus séduisante, la Citroën XM avec ce nouvel accessoire, la console centrale vide-poche. Grise, bleue ou noire, elle est conçue pour s'adapter sur les véhicules non pourvus. En moins d'une demi-heure, le client peut disposer d'un nouvel accoudoir central, à la fois vide-poche et bac de rangement. En deux mots, c'est la finition séduction. Les Citroën XM 2 litres séduction ne sont pas pourvus d'une console centrale comme leur sœur version ambiance et harmonie. C'est pourquoi DPR a homologué cet accessoire prévu pour ce modèle. Cet accoudoir central est assorti aux couleurs intérieures de la voiture. Il est fourni avec son support arrière et ses vis de fixation. Cette pièce supporte l'arrière de l'accoudoir central et doit être fixée à 46 cm en retrait de la console d'origine, où se trouvent les deux points de fixation prévus sous la moquette. Après avoir découpé la moquette, on dégage la pastille pour libérer le point de fixation. Il ne reste plus qu'à poser le support et à le fixer à l'aide des écrous. Maintenant que le plus gros de l'ouvrage est terminé, il suffit de poser l'accoudoir central et de le fixer à l'aide des quatre vis. Ce produit s'intègre parfaitement à l'intérieur de la voiture. Il cumule les fonctions d'accoudoir, de vide-poche et de bac de rangement. L'hiver est proche, c'est le moment d'anticiper les besoins de la clientèle. En clair, c'est le moment des promos. Les coffrets et blisters des lampes, les chaînes neige et les bavettes, le tout accompagné d'un taux de remise complémentaire attractif. Parmi les nouveaux accessoires, le porte-cassette. Fini les cassettes en vrac, il est d'une mise en place facile, il s'intègre parfaitement dans le deuxième compartiment autoradio et dispose d'un système éjectable pour ranger et avoir instantanément vos cassettes préférées à portée de main. Vous avez reçu une nouvelle réédition actualisée du barème des temps des modèles de chevaux AX, C25 et C35.
confirmation et développement du barème Citroën XM, incluant diesel, diesel turbo, V6 et automatique. Et pour être en avance sur les fêtes, le nouveau kit fréquence fête, une offre promotionnelle limitée à 4000 exemplaires, c'est un autoradio Blaupunkt Verona avec tiroir extractible et un jeu de deux haut-parleurs. Son prix est tombé de 2000 à 1560 francs, toutes taxes comprises. Et puis maintenant, parlons un peu commerce. Les 24 heures avec la voiture de l'année 90, ce sont deux mailings expédiés à 250 000 personnes. Ils visent les propriétaires des 2 litres injection et des V6. Démarrée le 2 octobre dernier, cette opération se termine le 31 décembre. Au total, 12 000 flacons de parfum ont été expédiés. Parmi les offres, les avantages du contrat plus et de l'assurance tout risque proposée dans la location avec option d'achat. Intéressant pour tous ceux qui n'ont pas besoin d'une voiture neuve, les deux nouvelles séries spéciales, AX et BX série 2000, qui viennent s'ajouter aux AX Miami et CX Sélection. Elles sont signées Eurocasion et correspondent à des normes bien précises de remise en état et de présentation. Elles bénéficient bien sûr de la garantie nationale Citroën Eurocasion. Les kits et accessoires sont disponibles au département pièces de rechange. Becquet, plaque réflectorisante arrière, enjoliveur de roues, coquilles et décors adhésifs. Un bon truc pour diversifier et promouvoir les ventes. Lifting pour le C25 année modèle 91, mais derrière son nouveau look se cache un regain de puissance. L'extérieur et l'intérieur du véhicule ont été sensiblement modifiés, la calandre a changé, les enjoliveurs également, ainsi que tout l'avant. Toujours plus pratique, la porte latérale gagne encore 10 cm en largeur et les vitres avant sont aussi plus grandes. Le C25 propose également un tout nouveau confort et une protection anti-corrosion accrue. Bref, le nouveau C25, entièrement restylé, c'est le nouvel utilitaire, plus puissant, plus résistant et capable d'être modelé selon les besoins du client. Autre véhicule utilitaire et autre nouveauté, présenté d'ailleurs au dernier mondial de l'automobile, le C15 et le C25 électrique. C'est un premier pas vers les véhicules non polluants et non bruyants. C'est sur cette bonne nouvelle que nous allons nous séparer. Je vous donne rendez-vous au prochain Canal 20. Attention, c'est un numéro spécial. Nous parlerons architecture avec les nouveaux équipements et les installations pilotes. À dans un mois.